un bailleur qui a décidé de vendre ses locaux libres et qui a notifié un congé à son locataire. Peut-il se raviser et vendre ses locaux occupés? Alors, l'application de la loi de 89, le bailleur a la possibilité de notifier un congé pour vente à son locataire. Le congé vaut offre de vente. Il doit le notifier avec un préavis de 6 mois. Et l'offre de vente est valable pendant les 2 premiers mois du préavis. La question s'est posée en jurisprudence de savoir si pendant ces 2 premiers mois de préavis en particulier, le bailleur avait la possibilité de se raviser et de décider de vendre ses locaux occupés à un tiers. La cour de Chambéry, dans une espèce de cette nature, avait donné raison au bailleur qui s'était ravisé. Le locataire a formé un pourvoi en cassation et la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Au motif suivant, elle a rappelé la disposition de l'article 15.2 de la loi de 1989. Le congé vaut offre de vente. Il vaut offre de vente pendant les 2 premiers mois du préavis. Le locataire avait accepté cette offre de vente pendant les 2 premiers mois du préavis. Par conséquent, le contrat de vente s'était définitivement formé. Il n'était donc pas question que le bailleur se ravise et vende à un tiers.